I ain't coming here to tell you what I got. I'm not, just wanna share vibes and let you know my mind. What I'm about. Hola, j'espère que tu vas bien malgré tout ce qui se passe, malgré cette quarantaine, le coronavirus, etc. J'espère que tu es confiné avec tes proches et que voilà, t'es pas tout seul. Moi, je vous cache pas que quarantaine, pas quarantaine, ça change rien à ma vie. Je suis quelqu'un d'assez casanier, donc je suis la plupart du temps chez moi et j'aime bien rester chez moi. Donc je m'ennuie pas, j'ai pas tous ces soucis que je vois sur les réseaux sociaux. C'est une période difficile, faut qu'on reste fort. Faut qu'on soit là pour nos proches, faut vraiment pas sortir, rester chez soi. Et si vous vous sentez seul ou quoi, m'envoyer un message sur Instagram, je suis tout le temps présente. Enfin, j'essaie vraiment d'être présente pour ma communauté. Je vais essayer de vous divertir un maximum, donc vous inquiétez pas, je prévois de faire plein de vidéos. Si tu me suis sur Instagram, tu le sais, tu fais partie de la famille. Mais si tu ne me suis pas sur Instagram, tu n'étais pas au courant, mais j'ai fait des tresses, des longues, longues tresses trop trop belles que j'ai gardées 3 semaines. Et du coup, dans cette vidéo, j'enlève tout ça avec toi. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer, je vais partager avec toi une recette de crème hydratante et de crème démêlante préférée. Vraiment, je sais que tu vas l'adorer parce qu'elle est juste... Et en plus, elle est tout à fait naturelle, c'est super facile à faire. Il faut juste 3-4 ingrédients. Voilà, t'as pas besoin de 10 000 produits, t'as besoin de juste 3-4 ingrédients. Et surtout, c'est 100% naturel. Voilà, il n'y a rien de chimique dans tout ça. Je me suis trompée. En fait, c'est pas une crème démêlante. C'est un masque démêlant et bouclant à base d'avoine. Donc, pour ce faire, je vais utiliser 7 cuillères à soupe d'avoine, de l'eau et des produits de la marque WAM Cosmetics, dont je suis complètement fan. J'utilise des produits WAM Cosmetics depuis la fin de l'été, donc depuis septembre 2019. Et j'adore leurs produits. Ils sont complètement clean. Globalement, je mets la note de 19 sur 20 à WAM. Franchement, c'est excellent, c'est issu du commerce équitable et il n'y a vraiment pas mieux que les recettes qu'on fait nous-mêmes à la maison. En parlant de recettes maison, j'ai donc pris une casserole et dedans j'ai mis 7 cuillères à soupe d'avoine. L'avoine, c'est génial pour les cheveux. Vraiment, je sais pas si vous avez déjà utilisé de l'avoine pour vos cheveux, mais ça permet vraiment de définir les boucles, hydrater, nourrir et renforcer les cheveux. C'est incroyablement bien pour les cheveux. Si vous avez jamais testé, vous allez être accro, croyez-moi. Donc je mets les 7 cuillères à soupe, je mets de l'eau et surtout le truc que j'ai pas pu faire pour cette recette parce que j'étais pressée, c'est laisser poser. Si vous laissez poser toute une journée, toute une nuit, en fait faut laisser fermenter et ensuite mettre ça à feu pour extraire le lait. Et le lait sera donc beaucoup plus efficace pour les cheveux quand vous laissez fermenter les flocons. Donc voilà, c'est la petite astuce. Voilà, donc après les images parlent d'eux-mêmes, vous remuez. Gardez pas trop le mélange au feu parce qu'il faudrait pas non plus qu'on perde toutes les vitamines de l'avoine. Pas surchauffer le lait. Et donc voilà, après prendre une passoire, faites attention à bien filtrer de sorte à ce que toutes les parties solides, les résidus et tout ça restent d'un côté et que le lait soit bien extrait homogène, sans grumeaux et tout, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des petits bouts d'avoine coincés dans les cheveux. C'est pas trop ça. Une fois que mon lait d'avoine est prêt, je continue la recette et je prends ma base. Moi je choisis celle de chez WAM Cosmetics parce que comme je vous ai expliqué, la compo est vraiment clean et surtout le lait d'avoine, faut pas penser que ça va directement aller dans vos cheveux, hein. La raison pour laquelle j'utilise pas les soins faits maison aussi souvent, c'est parce que je sais très bien que bien que ça soit naturel et tout ça, ça va pas pénétrer mes cheveux en profondeur. Mais grâce à la base de chez WAM Cosmetics qui va servir de conducteur, je sais que le lait d'avoine va pénétrer ma fibre capillaire, nourrir et hydrater mes cheveux en profondeur. Donc la base va vraiment servir de conducteur à la recette en fait. Sans cette base, ma recette serait beaucoup moins efficace. Et vraiment, c'est la base que je vais utiliser pour toutes mes futures recettes. Donc je vous recommande cette base, ce produit à 1000%. Vous pouvez l'utiliser comme leave-in, vous pouvez l'utiliser comme masque, vous pouvez l'utiliser comme soin avant shampoing, comme crème. C'est vraiment une base. Sachez que c'est pas la première fois, mais ça sera pas la dernière fois que vous verrez cette base parce que j'en suis fan et que je l'utilise pour toutes mes recettes maison. Ensuite, j'utilise les deux huiles, donc chanvre et brocoli. Ces deux huiles-là, elles ont une synergie incroyable parce qu'en fait, elles vont vraiment venir gainer le cheveu, assouplir les boucles, rendre les cheveux plus malléables, les nourrir, etc. Je trouve que ça ressemble beaucoup à l'huile d'avocat. En termes de richesse, c'est vraiment la même texture et la même couleur. En plus, c'est verdâtre, un peu vert. Et vraiment, ces deux huiles-là sont pépites, grosses pépites. Et enfin, l'ingrédient
star de toute cette recette, c'est pas l'avoine, non. C'est la poudre de baobab. La poudre de baobab, c'est vraiment ma découverte. Je l'ai découverte l'année dernière et j'en suis complètement ouf, en fait. J'en rajoute dans tout. Je le rajoute dans un après-shampoing qui glisse pas assez, à mon avis. Je le rajoute dans mon gel fait maison. Je le rajoute dans toutes mes recettes fait maison. C'est vraiment un ingrédient qui va venir te rajouter de l'élasticité. Ça va t'aider à démêler tes cheveux beaucoup plus facilement, à définir tes boucles. Ça va hydrater tes cheveux. Ça va fortifier tes cheveux. Et surtout, c'est sain, en fait. Après ce soin, j'ai lavé mes cheveux et j'ai procédé au reste de ma routine. Et je voulais absolument partager ma recette de crème bouclante avec vous. Alors la base, c'est la même, donc lait d'avoine et ma base Wham Cosmetics. J'ai rajouté les deux huiles préférées, donc huile de brocoli, huile de chanvre. Je vous laisserai la recette de cette crème en bas, en barre d'infos. J'ai bien tout mélangé. J'ai rajouté aussi quelques pigments que j'ai eu de chez Wham Cosmetics aussi, pour donner cette petite couleur un peu pêche, cuivrée, trop cute. J'ai utilisé cette crème avec l'huile de brocoli pour faire des flat twists, donc des twists collés sur l'ensemble de ma tête, et ensuite j'ai été me coucher. Hey, bitches tryna take it from me. Bitches tryna break in your shit. Bitch, you may close that door, but my God got me. Don't let nobody step up between you and your dreams. Might be your girl or your mama, your sister, your teacher, or even your very own father, your fair girlfriends, cause they think that if you ever grow, you must do it with all of them bastards. Everybody got his own plate. True. Might give you some food, but if I don't, ain't no reason to hate. You tell me you're better than people, but listen to. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as appréciée. Si tu as des suggestions de vidéos que tu aimerais que je fasse, dis-moi ça en bas en commentaire. De toute manière, moi j'ai fait une longue liste de vidéos que j'aimerais faire. D'ailleurs, je compte filmer une vidéo avec ma mère, etc. Donc vraiment, j'ai plein de choses pour vous divertir pendant cette période de confinement. Et voilà, on va prendre soin de nous, on va rigoler et j'ai hâte en tout cas.